Voyons maintenant tréma. Le tréma, c'est les deux petits points qu'on met de temps en temps sur une lettre, en général sur le i, mais pas toujours. Regardez le mot mais, M-A-I-S. Ben, mais, le A-I se prononce E. Si on veut avoir maïs, il fallait trouver quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, de mettre deux petits points sur la deuxième lettre. Vous voyez, E, A-I, ben, A-I, on met deux petits points sur l'I. Donc, mais, M-A-I-S, maïs, on met les deux petits points. Vous ferez pas de faute en général. Par exemple, égoïste, si vous oubliez les petits points, ça devient égoisse, comme moi. Vous voyez, bon. Alors, où est-ce qu'on a un petit problème? D'abord, attention, ne mettez pas deux petits points quand il y a un accent aigu devant. Séisme, par exemple. C'est pas nécessaire de mettre des petits points parce que E accent aigu I, ça se prononce CI, séisme. Vous voyez, il n'est pas nécessaire de mettre des petits points. Deuxième chose aussi sur le terme aigueux. Bon, il y a aussi exigueux au féminin. Une voix aigueux. Alors, attention, il faut mettre les deux petits points, mais il faut les mettre sur le E. Vous voyez, puisque c'est la deuxième lettre. Si on ne met pas sur le E, si on ne met pas de petits points, ça fait aigue. Vous voyez le truc. Maïs, on le met sur le I. Aigu, E. On le met sur le E. Alors, pour être tout à fait honnête, dans la réforme de l'orthographe, il proposait de le mettre sur le U, ce qui ne simplifie rien du tout, hein, et puis personne connaît la règle, hein. Donc, oubliez-moi cette réforme. À la limite, en théorie, je n'ai rien contre, mais comme personne ne la connaît, je connais plein de patrons qui croient que les gens font des fautes. Ça sert à rien de se faire mal voir. Pensez exigueux, aigueux, pensez à mettre les deux petits points sur le E, et vous êtes tranquille. Voilà pour le truc.